Mishnah Hadasha, Zayin Amud Bet. Olot Bamoed. Baot Mina Hulin. Rashlamim Mina Maaser. Je vais expliquer. À l'époque, quand les gens montaient à Jérusalem, tout l'âme Israël était agriculteur, pratiquement tous. Chacun avait un terrain agricole. La Torah, elle a pensé à tout. Elle voulait que les Juifs montent pendant les fêtes. Ils ne font pas des comptes. Et de Enradin, il dit ah, on va perdre des jours de travail. Ah, est-ce que ça va nous coûter de monter à Jérusalem? Ah, machin. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Attends, elle a dit 10% de tes fruits sur 4 ans des 6 de la Shemitah, des cycles entre Shemitah et Shemitah, tu dois faire Maaser Sheni. Maaser Sheni peut se manger que à Jérusalem. 10% de tes fruits. Pour un agriculteur, il exploite, il prend 40, 50 tonnes, n'importe quelle récolte, à peu près. 50 tonnes, c'est-à-dire que tu dois consommer 5 tonnes à Jérusalem. Il est obligé à inviter des gens. Maintenant, pour que les gens montent, et ils ont dit, sinon, tu transfermes la récolte sur de l'argent, et cet argent, tu montes à Jérusalem et tu manges avec. Et si tu veux transformer sur de l'argent, tu dois ajouter un surplus de combien de, un chomesh. 20%. Pourquoi l'idée? Parce que l'idée, c'est qu'on préfère que les gens amènent des fruits. Bon, quelqu'un qui habite au Golan, à Tibériade, il ne va pas se traîner jusqu'à Jérusalem avec 5 tonnes. Sauf aujourd'hui, qu'il y a un camion, oui. Mais à l'époque, non. Bon. Donc déjà, ils venaient. Les gens, ils arrivaient à Jérusalem. Les marchés étaient pleins de fruits. Et la personne, il arrivait. Si c'est un gros agriculteur, si la... Non, ça pouvait aussi. Non, alors, on pouvait amener des figues sèches, des dattes. Parce qu'il y avait en vert. Oui. Très vert, il a raison. Vous savez, bon, il y avait des gens qui montaient. Jérusalem était pleine de fruits. La région, ils amenaient. Maintenant, les gens étaient riches. Ce n'est pas toujours aussi que les gens, ils amènent chaque fête. Des fois, quelqu'un n'est pas venu pendant 2 ans. Il a accumulé de l'argent de Maaser Sheni, j'ai lu. Il a transféré. Il vient à Jérusalem avec 10 000 dollars. 10 000 dollars, tu peux acheter toute Jérusalem. À l'époque, la nourriture ne coûtait pas si cher que ça. Il y a ça. Bon. Donc, la personne, il a le droit de tout acheter, tout ce qui est nourriture, sauf du sel et de l'eau. Il ne peut pas aller au cinéma avec cet argent. Il ne peut que manger, il ne peut pas s'habiller, il ne peut pas acheter une tenue, il ne peut pas acheter un mouchoir. Il peut acheter tout ce qui est nourriture, consommation. Donc, ils étaient à Jérusalem. L'eau, ce n'est pas de la nourriture. Et le sel, c'est... Tavline? Non, c'est pas à côté. Tavline, on a le droit d'acheter des épices. Ouais. Il y a un miroir spécial. Pourquoi on ne peut pas acheter le sel? On va le voir. Maintenant, la personne, il est là, il dit, eh ben, tant qu'à faire, je vais emmener mon korban ola, de l'argent de Maaser Sheni. Il a 10 000 dollars. Il va aller acheter un mouton pour 50 dollars, il va aller l'amener. Je ne peux pas. D'avoir chez Bahova, tu as une obligation. Et no baela mina chulin. Quoi, tu payes à Akadosh Baruch Hu de l'argent d'Akadosh Baruch Hu, paye de ton argent. Par contre, ce qui n'est pas obligatoire, comme shlamim, combien je vais fêter, comment je vais fêter, je peux amener 10 korban shlamim, mais je peux amener 1. Je peux amener 10 korban shlamim de l'argent de Maaser Sheni. C'est ça ce que notre Mishnah veut nous dire. Olot b'moed ba'ot min acholin ve'ashlamim min ha'maaser. On va voir tout de suite après, la Mishnah continue. Yom Tov Harishon Shel Pesach. Ce qui vient Yom Tov Harishon Shel Pesach.
Bet Shammai Omri Min Acholim, ou Bet Hillel Omri Min Amaaser. Il y a un débat de Bet Shammai et Bet Hillel. On va voir plus tard que ça veut dire Yom Tov Rishon Shel Pesach. Chagigat Arba'asar, Chagigat Hamisha'asar. La Gemara continue. Israël Yotzim Yedei Chovatan Mindarim Unedavot Uv Maaser Be'ema. Il y a un lien de Simcha. Am Israël, de quoi ils sont acquittés? C'est-à-dire que la personne, il a amené Shalmé Chagiga. Est-ce qu'il est obligé d'amener Shalmé Simcha? On te dit non. Israël Yotzim Yedei Chovatan avec quoi? Avec leur Nedarim qu'ils ont décidé d'offrir. Avec leur Nedavot. Et avec la viande des Maaser Be'ema qui montaient à Jérusalem. Il y avait aussi Maaser Be'ema. À part l'argent du Maaser Sheni, un homme qui était censé manger son Maaser à Yerushalayim. Va à Kohanim, les Kohanim, eux aussi, ils ont été acquittés dans la fête. Ils ont mangé la viande de Khatat, la viande du Hacham, le Bechor, le Hazé, le choc de ce qu'on leur a donné. Ava lo be'ofot velo be'milachot. Un Kohen qui a reçu de la volaille. Et il a mangé, il n'a pas mangé de la bétail. Il n'a pas accompli la mitzvah de Simcha. Aussi, il est végétalien. Il n'a mangé que du couscous, que de la semoule, avec des offrandes. Il n'a pas été acquitté. De là vient l'idée chez les gens de manger Yom Tov de la viande. Mais c'est une erreur. Pourquoi une erreur? Parce que quand on parle de Simcha, c'est de la viande de korbanot et pas de la viande. Mais de là, les gens ils confondent dans leur tête que même si Shabbat, on peut manger du poulet, la fête, il faut de la viande. Tu peux manger même la fête du poulet. Pourquoi? Parce que là, on parle de mitzvah simcha que la Torah a dit, Vesamart alifnei Hashem. Ils ont dit, En simcha ela bebasar. Quel basar? Shlamim. Pas basar, stam. Rashi. Olot baboed barot min acholim. On a compris maintenant des kaimalan, c'est ce qu'il faut comprendre. Des kaimalan. Kol davar shebachova et no baela minachulin. Ça c'est masechet menachot. Ul kaman nami bagmara tanya misat melamed shadam evi chovato minachulin. Ou bagmara parich. Ama inakit cholo shel moed. Pourquoi il a dit cholo shel moed? Il aurait pu dire aussi yom tov. Si jamais na yom tov. Je peux l'amener des maasrot? Non, même Yom Tov, je ne peux pas. Alors pourquoi la Mishnah, elle a dit Davka Cholo Shel Moed? Le mal va s'occuper. Shlamim mina maaser. On a dit que les Shlamim, on peut venir les amener des maasrot. Bagmara Mefaresh. Shlamim Simcha. Des rabbins ou krab et cholmile. Il s'agit de Shlamim Simcha. Ah? Si. Olot ba moed. Olot ba moed. Oui, c'est Cholo Moed, moi je parle. Le petit tout. Moed, c'est. Parce qu'après, tu dis Yom Tov Arishon Shel Pesach, Yom Tov, tu fais la distinction. Yom Tov Arishon Shel Pesach, Bagmara Mefaresh Maihi, ou Maishna de Nakat Pesach. Pesach de Nakat. Israël Yotim de Chovatam, Mishum Simcha, Bechol Inyan, Sheshlem Basar la Sova, Veinam Zekukin Lisboar Shlamim Leshem Kach. Ils n'ont pas besoin de faire des corbanotes spéciales, ils ont de la viande. Min darim on est d'avoir chit nadvu kol hashana. Shalim l'Yerushalayim baragel meviim otam umakrivim emoreim ve'abasar ne'echal ha'be'alim yotzim b'hem mishum simcha. Mishum de ba'el mitnasef ve'akonim b'chataot nakat b'resh Yisrael. Il te dit que comme les Kohanim, il a dit aussi Israël. Ve'akohanim shebaou lahem chataot baragel chataot ve'ashamot shayu ol regalim mechuyavim ve'yesh lahem basar la'sova. Ils ont assez de viande yotzim b'hem mishum simcha. ואין צריכים להביא שלמים לשם שמחה, אלא בזמן שאין להם בשר בשורה. יוצאים בחזה ובשוק. המורמים להם ישלמי עולי רגלים, הם לשלמים. כסכון דוני, הוא דוני לו חזה, לפואטרין, אלו שוק, לכויס, או כהן. כי נופס את ויונד. כל כהן, יבוקו את כהנים. Il y a 30 000 Kohanim à Jérusalem, ils sont arrivés et ils n'ont pas reçu assez de Hataot, Hachamot. C'est là, il y a un jour. On se rend compte des dimensions de la quantité de Kohanim. Aujourd'hui, peut-être on ne peut pas comprendre, mais à l'époque, c'était oui, il y avait. 30 000 Kohanim.
sur 12 millions de personnes, qui amenait, par exemple, à l'époque de la grippe, il y avait 12 millions de pèlerins à Pessah à Yerushalayim. Imagine-toi, si par exemple, tu prends un agneau, dans un agneau, il y a 12, 13 kilos net. Imagine-toi que le Cohen, il prend choc, ça veut dire. C'est énorme. C'est 2 millions de kilos pour les Cohanim. Et les Cohanim, ils pouvaient le manger avec toute leur famille. On leur donne pas la. C'était pas la meilleure des viandes. On leur donnait choc et rasé. Rasé, c'est de la viande dure. Aujourd'hui, les gens aiment. Les gens aiment ça aujourd'hui parce que c'est moins gras. Mais à l'époque, les gens, ils aimaient la viande grasse. Bon. Si c'était des corbanes khatat, vous ne pouvez pas les conserver. Vous allez les manger dans la journée même. Au dos roulé. Il n'y avait pas le miracle, il n'y avait même pas de bouche dans. Rien du tout. Ils mangeaient, la Gemara dit qu'il y avait des médecins à Yerushalayim. Leur spécialité, il y avait deux spécialités. Le cholestérol. Ah oui, bien sûr. Et la goutte. Et la goutte, le cholestérol de la goutte. Et le rhume. Et quand ils marchaient pieds nus au temple sur un sol marbré. Le soir, il fait froid. Il fait un peu froid. Alors, ils avaient des remèdes exceptionnels. Un homme, il est enrhumé. En une demi-heure, il lui donne quelque chose, il lui fait sortir tout ça. Ça, c'était l'homme. Ça, et baisser le cholestérol. On a perdu cette méthode. Ouais. Rabbi Hanina Zgana Kohanim, c'était un médecin. Il était là-bas pour s'occuper d'eux. Ils leur donnaient les remèdes. Il y avait des herbes qu'ils prenaient. Comme aujourd'hui. Un homme, il prend des cachets de cholestérol. Il prend son cachet, il peut rentrer dans un restaurant, il peut manger autant qu'il veut. Plus ou moins. Tu ne manges pas ? Même avec les cachets, tu ne manges pas. Ou si on prend le cachet. Même, tu ne veux pas quand on augmente la dose des cachets. Je ne veux pas avoir des panneaux. Non, c'est juste parce que. Pourtant, je n'ai rien sur la peau. Du tout. Rien que la viande rouge, non? Non, moi, je ne mange pas de viande, ni alcool, mais quand même, je. Comme moi, je ne mange pas de viande, ni alcool. Il y avait le grand-oncle de ma femme. Il est très pauvre. Après, il est devenu très riche. Quand il est devenu riche, il a eu la goutte. Alors, il a dit, quand je voulais manger, je ne peux pas manger. Maintenant que je peux manger, je ne peux pas manger. Et quand je pouvais, quand je voulais, je ne pouvais pas. Maintenant, quand je peux, je ne veux pas. Il disait que Akadosh Baruch Hu, il ne te donne pas combien d'argent. Je me trouve, il décide combien d'entrecôtes tu vas manger dans ta vie. Combien du kiff tu vas avoir dans ta vie. C'est vrai. Eh non, mais il a, il profite pas de son argent. L'argent, c'est un musée. Alors, avalo berofot, bachata tarof, chez en sova, et la bibsar behema, c'est que de la viande, et c'est vrai, on le sait. Tu peux manger du poulet beaucoup plus que de la viande, et tu n'es pas rassasié. La viande, elle rassasie. La simra que le bassar, il amène, c'est qu'il rassasie l'homme. Il enlève l'envie de manger. La volaille, elle vole. On continue. La Gemara, elle dit, et là, en l'autre Bémoïde, la Gemara, elle pose la question tout de suite. Pourquoi vous nous avez dit Bémoïde? En l'autre Bémoïde ou des Borat Binacholin, Abbe Yom Tov Binamaaser, si c'est Yom Tov, j'ai le droit d'amener des Maasrot, Amai, d'avoir chez Bachovai. Chez Bachovai, non, Binacholin.
Rechitema, peut-être tu vas me dire, Hakabash Balak, des Olot Bamoaïd Baot, Biyomtov Enan Baot, Keman qui Bet Shamay, et Nan Bet Shamay Omrim et Vim Shlamim, Ven Somchim Alem, Avalor Olot, ou Bet Hilel Omrim et Vim Shlamim, Ben Olot et Somchim Alem. Il pose la question, il dit, ah, alors peut-être, pourquoi on a dit Olot Bamoaïd, et on parle de Hol Amoaïd et pas de Yomtov? On aurait pu penser, il a dit, si tu vas me dire que quoi? Que Yom Tov, ça peut venir des Maasrot, ça, c'est pas normal. Parce que c'est d'avoir chez Bachova, j'ai une obligation d'amener. Toute obligation, tu ne peux pas acheter des Maasrot, jamais. Alors il dit, alors peut-être, c'est pour nous dire que là, la récompense, il y avait un grand débat dans ma série de Betza entre Shamaï et Rivel. C'est quoi le débat? Quand un homme, il amène un korban, il fait un vidoui, même si ce n'est pas un korban qui vient sur une avera. Il a besoin de mettre ses deux mains sur l'animal et il s'appuie sur lui à un point que si tu enlèves l'animal, il tombe. C'est semira, comme ça. Vraiment, ça veut dire qu'il met son poids dessus. Et il faut le faire sur les korbanotes. Beit Shammai, ils disent qu'on n'a pas le droit d'amener le korban rola parce que c'est indispensable de lui faire la smira, tu es obligé. Et shlamim, tu peux amener, mais tu ne fais pas la smira yom tov. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont dit que l'ismor, c'est d'utiliser l'animal. Et il y a une xéra de shvout, de moukté, de ne pas grimper sur un animal, de ne pas être smira. Ils ont dit non, c'est au Beth Amikdash. Ils ont dit non, pour ne pas que les gens apprennent, on interdit. Beth Hillel, ils ont dit non. Comme c'est au Beth Amikdash, ils ont dit En Shvut Bamikdash, où tu fais la smira? Que au Beth Amikdash. En Shvut Bamikdash. Donc ils ont dit tu peux amener des rolot comme toi, et tu peux amener des shlamim, et tu es somer sur les deux. Maintenant, il y avait des kohanim de Beth Shammai qui guettaient les gens au Beth Amikdash. Dès qu'ils te voient, ils disent Ah, Yassou, qu'est-ce que tu ne fais pas ça comme ça? Alors, un jour, il est venu au Beth Amikdash pour amener son korban, il voulait être somer, c'était une rola. Et il a fait comme s'il accompagne comme ça, doucement, tu vois, il la caresse. En même temps, il faisait sa smira. Et il leur a dit, c'est shlamim, il leur a fait tout un coup. Mais ils étaient là. Alors, la Gemara a dit, peut-être la Mishnah, notre Mishnah à nous, elle est comme Beit Shammai, c'est pour ça qu'elle a dit, Dafka, Rolot va mourir. Parce que pendant la fête, on ne peut pas amener une rola, parce qu'il faut faire une smira. Alors, la Gemara, elle est étonnée. Quoi, Rabbi nous a écrit une Mishnah comme Beit Shammai, il ne tient pas compte de Beit Hillel, à la règle de Beit Hillel. Alors, on a un problème. Alors, pourquoi c'est écrit « Olot Bemoaïd » C'est la question de la Gemara. La Gemara dit « Non, Chassouré, mais Chassra, il manque une phrase dans la Mishnah. » Pourquoi il manque une phrase? Vous savez pourquoi il manque une phrase? On a dit Rabbi Shimshon de Ostropol, il dit que comme mon cher Rabbeinu, il a reçu 304 508 lettres pour écrire la Torah, pas une lettre en plus, même Rabbi Yehuda Anassi, il a reçu un nombre de lettres. Il ne pouvait pas tout écrire. Donc, il y a eu des endroits où il a dû supprimer, il a compté, c'est pour ça que les gens ils vont comprendre. Pas toujours, on a compris. Donc, ça, c'est Chassur et Bechassra. Vehri Katane. Il a expliqué sur ça. Le passage Hamouké, Yerecha, Erkevo, Halaim. Il dit Hamouké, il manque des choses, qu'ils ont échappé. Ou Hamak, Hamek. Hamouké, Yerecha, Erkevo, Halaim. On dirait que c'est de la maladie. La Mishnah, elle est malade. Maasé yede Oman et dit Hamouké c'est racheté votre Hasure Mechasra Vahri Katane. Et il dit si tu comptes tous les Hamouké, tous les Hasure Mechasra qu'il y a dans le Talmud, tous ensemble, c'est Gimatria Hamouké. 156. C'est incroyable. Alors voilà, là on a Chassure Mechasra, Vahri Ktani. Olot, les darim, on est dans votre bamo, et baot. Beyom Tov, et non baot. Olot, Ria, ba, filou, beyom Tov. Okshi, ba, et naba, et la mina choulin. Vechalme, simcha, ba, imaf, mina maaser. בחגיגת יום טוב הראשון של פסח,
Bet Shammai omrim min haolim ou Bet Hillel omrim min ha'maaser. Le korban chagiga de Yom Tov. Il y a un débat entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce que le korban chagiga Pesach Agarona? Vous avez vu qu'on mange dans le Afikoman, on mange deux kazaït et ratrila. Un zecher la Pesach, et un zecher le korban chagiga shayen echalito. On mange deux korbanot. Il y a un débat entre Shammai et Hillel, Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce que ce korban, c'est medava ou c'est une obligation? La Gemara dit c'est une obligation. Alors pourquoi tu peux l'amener du Khoulim, selon Bet Hillel? Parce qu'il dit Tofel, prenez un meilleur animal. Bet Hillel, ils ont dit, si tu vas dire à la personne qui peut. Qui doit prendre ça de son argent à lui, il va devenir radin, avare. On va préférer qu'il y ait une bonne simrat. Vas-y, fais-moi un spectacle. Il y a une idée aussi. Ça veut dire, il y a l'idée derrière. Si l'idée, c'est quoi? C'est que les gens tirent profit. Et si je vais lui dire maintenant, non. Déjà, il a fait tellement de frais pour monter à Yerushalayim. Tu lui dis, amène ça de tes frais à toi. Il va faire le radin. Rabbi Chaim Zonenfeld. Ils sont venus, j'ai vu des barons, trois barons américains. Ils arrivent Shabbat. Et on dit, Rabbi, on n'a pas où manger. On s'excuse. On arrive chez vous à midi. Vous êtes le rave de la ville. On n'a pas où manger. Il leur a dit, mais pas du tout. Ma femme, elle a un service qui est. Par contre, c'est payant. Chacun de vous va payer 100 dollars. Mais vous mangez tout ce que vous. Alors, ils dit, ils sont engagés dans du rabbin. Il est. Il profite. Non, il profite de la situation. 100 dollars, il nous a pris. Ok, Shabbat, ils n'arrêtaient pas de demander à la rabbinite, amène-nous cette compote, manger, amène-nous ça et ça. Et, ça. Et le rabbin et sa femme, il est servi, il est servi. Montez et Shabbat, il a dit la vérité, 100 dollars, ça les vaut. Le rabbin, il a dit pas du tout. Je voulais que vous mangez bien, vous avez vu. Un homme et une vieille femme, vous allez rentrer, vous allez vous asseoir comme ça à côté de la table. On avait fait un coup pour que vous vous sentez libre à demander, à l'aise. Et vous nous avez fait faire une mitzvah extraordinaire. On est tellement heureux. Alors, il y a une idée. Tu dis à quelqu'un, va sur tes frais. Il n'a pas envie d'acheter un beau corban. Tu lui dis, vas-y, lâche-toi. Prends l'argent de Maaser. C'est ce qu'ils ont dit. Alors, Hagigat Yom Tov HaRishon Shel Pesach, Bet Shammai Omrim Min HaOlim, ou Bet Hillel Omrim Min HaMaaser. La Gemara dit, Ma Ishna Hagigat Yom Tov HaRishon Shel Pesach. Pourquoi? Amar Rav Ashi HaKamash Malan, Hagigat Hamisha Asar In, Hagigat Arba Asar, Lo. Il te dit, de quel Hagiga on parle? De Hamisha Asar, qui vient de Khoulin. C'est-à-dire, il y a deux repas. Il y a le repas du soir, il y a le repas du jour. Le repas du jour, on est là, on dit on va égorger. On fait comme un Hagiga, Hagot et Moto. Mais le soir aussi, quand ils avaient dans le Korban Pesach, ils avaient, par exemple, ils sont dans la famille, 30 membres de la famille. Il y a un agneau. L'agneau, il pèse, ils ont 9 kilos de viande. Ça fait combien pour chacun? 30 grammes. C'est pas beaucoup. Je vais donner à quelqu'un un morceau de viande comme ça, un petit morceau. Et allez, amène des hagigas avec. Ça s'appelle hagigat arba, ça. L'agneau, c'était petit. Les gens, il faut savoir. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les agriculteurs, les éleveurs d'animaux, surtout en Israël, c'est des menteurs. Pardon. Non, c'est des menteurs. Tu vas en Israël, tu vas dans la boucherie, tu vas aussi, tu dis, donne-moi du veau. Il t'emmène un veau, tu lui dis, c'est pas du veau, ça. Regarde la couleur qu'il a, il est rouge. Un veau en Israël, jusqu'à 700 kilos, il appelle veau. En France, un veau, pas plus que 100 kilos.
150 kilos. Ça s'appelle un veau de lait, un animal qui tète. En Israël, non. Tu vois un truc, tu te dis c'est du veau. C'est pas du veau, ça. Ça, c'est malachama, mais c'est pas du veau. C'est tété. C'est quoi ça? L'agneau, ils te vendent. Un agneau, il fait 15 kilos. Ça, c'est un agneau, c'est pas un agneau. Un agneau de l'époque de la Mishnah, t'as vu? Il est un peu plus gros qu'un poulet, c'est tout. Oui. C'est pas convenient de l'avoir. Mais oui, mais c'était comme ça. Oui. C'est ce qu'ils mangeaient. Un agneau, quand tu voulais offrir à quelqu'un, ma grand-mère, elle m'a raconté que mon grand-père, Zichrono Livracha, il y avait son grand-père, il avait le minhag de venir chez lui un jour de Chol HaMoed. Il venait un jour de Chol HaMoed Pessah, un jour de Chol HaMoed Sukkot. Qu'est-ce que mon grand-père il faisait pour son grand-père pour l'honorer? Il lui faisait un petit agneau. Ma grand-mère m'a dit, je lui posais tout l'agneau dans l'assiette. Je nettoyais l'agneau, on le nettoyait. C'était un petit agneau. On dit, il y avait un kilo avec les os. Il devait peser 2,5 kilos, avec une carafe de maria. Et il finissait tout. Et c'est comme ça, un plat, avec la carafe. Il mangeait doucement. 3 heures, 4 heures, délivré Torah. Il avait devant lui, il prenait comme ça, il tirait. Il séparait les os. C'est rien. Un agneau, c'est quoi un agneau? Un agneau, c'est un peu plus grand qu'un chat de rue. Enlève-lui la peau, enlève-lui les entrailles, enlève-lui les choses. Qu'est-ce qui reste? Enlève-lui la tête, enlève-lui. Il n'y a rien. Pourquoi? Parce que c'est du vrai agneau. Parce que c'est du vrai agneau. En Israël, tu as les côtelettes, c'est pas des côtelettes d'agneau, c'est des côtelettes de mouton. L'agneau, il est très fin, il est petit. Donc, quand ils amenaient un guédi pour le lait de la Seder, il n'y avait pas beaucoup. Ils étaient obligés de manger de la viande de Hagiga. Combien il va prendre? Ouais. Alors, ils ont dit Hakamash Malan Hagiga Tramisha Asarin, la Hagiga du 15. Tu peux l'acheter, tu peux l'amener. Hagigat Arba Asar, lo. Non, pardon. Hagigat Arba Asar, lo. La Achinakat Rachid, la Achinakat, le dernier Rachid de la page. Pesar de Fichesh, Erev, Pesar Hagiga, Heret. Kshaita Chaburat, Pesar Meruba, il me vient, il me Hagiga, Chie, Pesar Nechal à la Sova. Vachmin, al Matitin, Hagigat Yom Tovat, Smo, de Enaba, et la Minachulin. Aval. Maintenant, on va faire Rashi. Et après, on va. Demain, on va continuer le Tosfot. Rashi. Gemara. Il me vient, Beyom Tov, il vient, Mina Maaser, il m'irce. Bitmia. Il explique la question de Gemara. Vechite ma'ad en akad ma'moed. Shum de agav, oh, hakamash malan milta, achite de en ola kirva Beyom Tov. Que tu me dis qu'on ne peut pas amener la rola, puisqu'il y a des tachkomim. Mais vim shlamim, c'est écrit, mais yom tov le fiche, je vais me tourner avec ma achal. Ven somkhim alem shasmicha, shvuti, shemishtamesh bebaale chayim, utnan elouen, shvut lo'olim bainan, ve'oga bememah, aval lo'olot, et me vim klal, desgira lehu, lebet shamay lachem, ve'lo legavua, chout mitmidim, mousafim shizmanam kavua, ve'kod shizmanam kavua, aktiv ve'u be'moado, ve'afilu be'shabbat, ve'kosh kini yom tov. Mais somkhim alem, kivan de moutar le'avian. Ils ont dit, Beyom Tov, Enam Barod, Bafu, le Betile, Zigra, le Letana, de Matnitin, de Narim, Mundavot, en Kervim, Beyom Tov. Richard ou Betile, le Berola, Triyavichan, le Hagiga, Afal Piché, Eshlaim, Tashkomi, même qu'on peut les amener, Yot, Veikar, Mitzvatam, Bayom Arishon, comme qui est écrit, Hagotem, Oto, Haglachem, Beyom Rishon, Mashma, donc il faut amener le Korban Hagiga pour Betile, le premier jour. וכשיבא אין הבא אין המין החולין ואחר לא מצאו להיפלוג ולאמא מר תופל מעות מעשרים אין קופלו אג'וטה דכי איש תראה תפילה סקונל דרוד אג'וטה דן לארג'ון בחגיגה הוא דאיש תראה לכמן מניין שאם רצה לערב את סתרה איפה אג'וטה כמה שלמים יש אדם שיש לו אוכלים מרובים ונכסים מועטים ילבו קודמו אג'ור שלו על המזון ואילה פה דארג'ון ואי אפשר להביא אכילות כולם מן החולין קומי ואמנה לחולין זה פה דארג'ון אבל עולה למה תופלה? תביא במה כסף, כי פעם נהיה. ופתית עולה סיב. אף מן המעשר, זה לאו דבר שבחובה הוא
במקום שיש בשר, והרי יש לו מראות מעשר שני, שיש לו להוציא בירושלים ויקנה בהם שלמים, ורבי יקרא לכמן, כל מיני שמחות לשמחה, תוס קומפה, être בשמחה וכדרשון למעשר שני, וחגיגת יום טוב הראשון, שהוא ודאי דבר שבחובה, אפילו יש לו בשר הרבה, ממציא לה בקוד יום, תלפילן לכמן מלחגותם אותו, ולכמי פריך, מה יש לפסח, הוא אמר, הגמרא יבדיר פוקו דווקא רמפר בפסח פה. ובית הלל אומרים, לכוון פריך אבה די דבר שבחובי. ומוקי לה בתופן, עוד עדיק לה רשות את לחשור, אין בעיה. חגיגת 14, לא נפס לדיבור, דרשי. כמובן באמת, לגמרא הילדים, מה יש לחגיגת יום טוב ראשון של פסח? קוקו חגיגת אמר רב אשי יקמא שמנן, חגיגת 15 אין, חגיגת 14, לא עלמא, כסבר חגיגת 14, לאו דאורייתא למצווה. דמנה קורבן חגיגה לליל הסדר, סופה מן התורה. ודולה באמת אנבואה, ידי פוסקים כי סופוז לקסיון. ג'י פור יום טוב, יאי פא דארג'אן פור אשתה דו בו רופא. J'ai fait un repas de poulet, un repas de viande. Peut-être que tout le monde préfère la viande que le poulet. Est-ce que je mange la viande le soir de la fête ou la journée de la fête? C'est un débat dans les postes. Qu'est-ce qui est le repas le plus important dans la fête? Celui de la veille ou celui du jour? Qu'est-ce que vous avez vu chez vos parents? La veille. Beaucoup d'informations pour la veille. La veille, soir. Moi, j'ai vu le jour chez mes parents. Ouais. Le jour, c'est la vraie fiesta. C'est... Ouais. Tout le monde, on arrive tard de la synagogue. Ouais. Il y a une très belle table. L'ichora de la Gemara, machma. Et la Chagiga, qu'est-ce qu'il te dit, la Gemara? Chagiga de la veille de l'El Seder, elle n'est pas de Oraïta. On fait moitié-moitié. Chagiga du jour, elle est de Oraïta. Donc, il faut mettre dans le repas du jour plus. Le corban chagiga qui se mangeait en journée, il se mangeait pas la veille. C'est ce qu'on te dit. Quand Hachem t'a dit, tu es obligé de faire une chagiga, c'est ça le débat. Est-ce qu'elle vient demain à Asser ou elle ne va pas demain à Asser? Alors je te dis, chagiga t'arba à Asser, elle ne peut pas dire demain à Asser parce qu'il n'y a pas d'obligation. Mais la volonté d'Hachem, c'est qu'il y ait une chagiga, une simcha, le jour même. C'est un grand débat entre les poskim. Je t'ai pourri. En journée, pas le soir. Non. Mais le soir, tu peux dire que si tu as accueilli comme l'El Shabbat, quel repas il est plus copieux? Celui de l'El Shabbat ou celui du Shabbat en journée? Hein? Vendredi soir, il est plus. Le débat... Alors, il y a un débat dans les postes sur... Hein? Comme pour Pessah, le plus copieux, c'est le soir. Voilà. Attends, parce qu'il y avait l'agneau pascal à l'époque qui se mangeait. Alors, Zecher Ladava. Zecher Ladava. Chez mes parents, franchement, je voyais le repas du Yom Tov en journée, il était toujours plus beau que celui, ça veut dire copieux. Plus copieux que celui du soir. Ouais. C'est pour des raisons de santé. Peut-être aussi. Le poulet, tu le manges le soir, c'est plus facile à digérer. Que le... Après, tu vas normalement, tu vas te coucher, tu vas dormir avec. La viande, c'est plus difficile à digérer. Alors, tu penses que je le poulet le soir. Ça dépend quel âge tu as. Ça dépend quel âge tu as et qui est à table. Et quel vin tu as aussi. Oui. Qu'est-ce que tu bois? Qu'est-ce que tu bois? D'accord. Bon, on va donner là, maman.